Aujourd'hui, on va faire le cours du myélome multiple avec le plan. On va commencer par une définition, puis on va faire l'épidémiologie avec l'incidence, l'âge et le sexe ratio. On va décrire quelques facteurs favorisants, puis on va étayer la physiopathologie et on finira par l'histoire évolutive du myélome multiple. Pour commencer, on va définir le myélome multiple. Donc, le myélome multiple ou maladie de Kahler est une hémopathie maligne rentrant dans le cadre des syndromes lymphoprolifératifs chroniques caractérisés par une prolifération des clones plasmocytaires malins, médullaires et parfois extramédullaires, pouvant produire de manière inappropriée et exagérée une immunoglobuline monoclonale qui, elle, peut être complète ou à des chaînes légères et elle peut être sanguine ou urinaire. D'un dysfonctionnement organique comme l'insuffisance rénale, les anémies, l'hypercalcémie et une ostéolyse plus ou moins importante qui va être responsable des douleurs osseuses. Donc, c'est la plus fréquente des dysglobulinémies malignes. Pour l'épidémiologie, le myélome multiple représente 1% des cancers et 13% des hémopathies malignes. Dans les pays développés, l'incidence elle est de 5,6 cas par 100 000 habitants par an. Avec un âge médian de 70 ans, dont 37% des patients ont un âge moins de 65 ans, et 26% entre 65 et 74 ans, et 37% des patients ont plus de 75 ans. La prédominance, elle est masculine, avec un sexe ratio 3 sur 2. En Algérie, l'incidence, elle est beaucoup moins faible parce qu'elle est moins sous-estimée, avec une incidence de 2,1 cas par 100 000 habitants par an. Et l'âge médian, elle est de 60 ans. Elle tranche d'âge entre 35 et 85 ans, avec un sexe ratio 1,05. Pour les facteurs favorisants, l'éthiopathogène précise du myélome multiple n'est pas encore connue et bien codifiée, mais on incrimine quelques facteurs, comme les gamma-hépaties monoclonales de signification indéterminée, les MGUS, qu'on va les détailler un peu plus tard. Deux études ont montré que l'existence d'une gammapathie monoclonale précédait systématiquement l'apparition du myélome multiple et que le composant monoclonal peut être retrouvé plusieurs années avant le diagnostic du myélome multiple. Les agricultures et les individus qui occupent d'autres emplois, les exposant à des substances toxiques telles que les pesticides, le benzène ou les solvants organiques. L'alimentation par des fruits de mer contaminés par des métaux lourds ou des produits chimiques. Et l'origine ethnique pourrait aussi intervenir, laissant penser qu'il existerait une part de prédisposition génétique, ainsi que la population noire américaine présente une incidence du myélome multiple supérieure aux autres communautés ethniques. Pour la physiopathologie du myélome multiple, comme on a dit, le myélome multiple type est un cancer d'une cellule du système immunitaire appelée le plasmocyte, dont la fonction principale est la fabrication des anticorps, c'est-à-dire les immunoglobulines, essentielles à notre système immunitaire. Donc le plasmocyte réside dans la moelle osseuse après être né dans un ganglion. Il y aura une interaction étroite avec son micro-environnement, tel que les cellules stromales et la niche hématopoïétiques qui sont essentiels à sa survie. Donc, pendant son séjour dans la moelle osseuse, les anomalies chromosomiques et mutationnelles déclenchent une prolifération cancéreuse monoclonale du plasmocyte conduisant au myélome multiple. Parmi ces anomalies chromosomiques, dans le myélome multiple, on note souvent un échange de matériel entre les chromosomes, en particulier sur le bras long du chromosome 14. Plusieurs types d'anomalies chromosomiques peuvent intervenir. On retrouve les plus souvent les translocations comme la translocation T414, 1416, 1420, et on peut trouver plus de chromosomes comme l'hyperdiploïdie, moins de chromosomes la monosomie, et on peut avoir aussi les délétions telles que la délétion du chromosome 17. Donc plusieurs événements mutationnels et génétiques peuvent intervenir dans l'événement cancérogène du myélome multiple. Donc à ce moment-là, un clone plasmocytaire va se multiplier, qui va produire de manière inappropriée de quantités très importantes des immunoglobulines, qu'on peut les détecter facilement par un test appelé l'électrophorèse de protéines, EPP, qu'on voit ici un pic.
On note aussi sur le plan secrétoire des chaînes légères de type Kappa et Lambda, qu'on peut les détecter facilement par un test de Freelight chaîne. C'est un test des chaînes légères, soit urinaires ou sanguines. Donc, cette prolifération plasmocytaire dans cette prolifération plasmocytaire dans la moelle osseuse a de nombreuses conséquences sur le plan clinique, telles que l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale, l'anémie, les douleurs osseuses. Chez un individu normal, il y a un équilibre entre la résorption et la formation osseuse. Donc, la résorption osseuse se fait à l'aide des cellules appelées les ostéoclastes, et la formation osseuse se fait à l'aide des ostéoblastes. Donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la formation, qui va favoriser la formation ou la résorption osseuse. Dans le myélome multiple, ce n'est pas le plasmocyte elle-même qui va résorber l'os, c'est un déséquilibre entre l'ostéoformation et l'ostéorésorption qui va se déclencher. C'est des protéines qui vont être sécrétées par le plasmocyte qui vont favoriser cette résorption osseuse par l'ostéoclaste, qu'on appelle les ostéoclast activating factors. Pour l'anémie, c'est facile à comprendre. L'anémie dans le myélome multiple, ici, on a une moelle riche, mais c'est une moelle normale qu'on peut voir une petite infiltration. On peut voir les lymphocytes de quantité pas très importante. Mais dans le myélome multiple, on a une infiltration massive des plasmocytes. C'est un envahissement médullaire qui va empêcher la production des autres lignées cellulaires. Donc, une suppression de l'érythropoïèse par les cytokines. Donc, cela induit une apoptose des érythroblastes. Donc, on retrouve l'anémie et on peut retrouver la thrombopénie et la neutropénie de degré variable. Pour l'insuffisance rénale, dans le myélome multiple, il y a un excès de sécrétion de chaînes légères. C'est Henri Bergson en 1847. Il avait chauffé l'urine, il avait trouvé un dépôt qui se faisait dans les urines. Et on a découvert plus tard que ce dépôt représentait vraiment les chaînes légères. Donc, cette quantité de chaînes légères excrétées, elle va être trop grande. La capacité de résorption rénale. Voilà, c'est ici un schéma. On voit l'unité fonctionnelle du rein qui est le glomérule. Et on va voir que ce dépôt des chaînes légères, il va empêcher le flux rénal qui va engendrer une insuffisance rénale. Et enfin, il existe une inhibition de la lymphopoïèse B polyclonale, s'accompagne d'une diminution de la production des autres immunoglobulines polyclonales, d'où une sensibilité accrue aux infections dans le myélome multiple. Pour l'histoire évolutive du myélome multiple, on a plusieurs états avant de passer au myélome multiple, qu'on les appelle les états pré-myélomateux. On commence par le humbus, puis le myélome indolent, c'est le myélome asymptomatique et le myélome multiple. Pour le MGUS, c'est les gammapathies monoclonales de signification indéterminée. Dans le cas des MGUS, un pic monoclonal modéré est constaté sans aucun signe clinique ou radiologique ou biologique. La présence d'un MGUS est détectée au décès chez 3 à 4% de la population générale après 50 ans. Les principaux arguments qualifiant MGUS sont la taille du puits, généralement il est inférieur à 30 grammes par litre. Une infiltration plasmocytaire osseuse, c'est inférieur à 10%. Et le caractère asymptomatique du tableau et l'absence d'atteinte des organes cibles imputables à la prolifération plasmocytaire, définie par l'absence des critères CRAB et la conservation des immunoglobulines polyclonales et la stabilité dans le temps. Et l'évolution vers un myélome est alors de 1% par an, ainsi à 25 ans de suivi,
Le un quart des patients développeront un myélome multiple. La surveillance du MGUS se fera toutes les 6 à 12 mois et elle est basée sur l'examen clinique, un EPP sérique et une élévation de la protéinurie de 24 heures et l'électrophorèse de protéines urinaires. Ces protéinuries est significative. Pour le spondylique myéloma ou le myélome multiple indolent, on a deux critères doivent être présents. Soit immunoglobuline monoclonale sérique IgG ou IgA supérieur ou égal à 30 grammes par litre et ou un plasmocyte clonant modulaire supérieur ou égal à 10%. Et surtout l'absence d'atteinte des organes cibles imputables à la prolifération plasmocytaire définie par l'absence des critères CRAP. Cet état peut rester stable pendant des années, mais le risque de transformation est environ de 10% vers un myélome multiple symptomatique, ce qui justifie une surveillance étroite chez ces patients. Pour le myélome multiple, les trois critères doivent être présents pour le définir. On a une plasmocyte clonomédulaire supérieure ou égale à 10%, la présence d'une immunoglobuline monoclonale sérique ou urinaire, la présence d'une atteinte des organes cibles définis par la présence d'au moins un critère CRAP, soit une hypercalcémie supérieure à 115 mg par litre, soit une insuffisance rénale avec une créatinine supérieure à 173 millimoles par litre, une anémie qui est le plus souvent normocytaire normochrome avec une hémoglobine inférieure à 10 grammes par litre ou plus de 2 grammes par litre au-dessus de la normale inférieure. Les lésions osseuses ostéolytiques, ostéopénie sévère ou fracture pathologique qui peut être détectée par la radiologie. Donc ici, on a un tableau récapitulatif des états myélomateux du MGUS au myélome multiple. Avec ici, on représente les clones des plasmocytes. On voit que chaque clone peut donner plusieurs clones. C'est pour ça que le traitement que la rémission complète dans le myélome multiple peut-être pas te toucher le plus souvent parce qu'on peut avoir une rémission sur un seul clone, mais chaque clone peut donner plusieurs clones.